Salut tout le monde, c'est IronX3 et bienvenue sur X3 Channel. Donc attendez, je me réinstalle à peu près au niveau des Wiimotes, parce que hop, je mets ma Dragon. Je suis les conseils de sécurité de Nintendo. Voilà, je refais tomber ma corbeille. Et bienvenue sur X3 Channel pour cette suite, l'épisode 2 de No More Heroes 2. Desperate Struggle, putain j'ai du mal. Donc on l'est lancé. La dernière fois on s'était quitté dans l'appartement avant de se lancer dans différentes missions. Donc on va directement commencer, on est là, on continue en jeu. Alors, petit boulot, bouge ton cul, big out, disponible. Bug out, pardon. Petit boulot, va vendre ton cul, laisse. Disponible. Tu vas faire plein de petits boulots pour gagner de l'argent dans plusieurs endroits. Donc, c'est ce qu'on va faire en fin de vidéo. Alors, lutte et proximité de Santa Destroy. Ok. Le marqueur vert, son plan indique, tu peux aller bosser. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas un GTA-like, on se déplace comme ça. Donc Burger Suplex, c'est la prochaine mission qu'on va aller faire de suite en fait. On va se lancer direct dedans. Ensuite, on ira faire un ou deux petits boulots. Puis on ira dans l'épisode 3, je vous montrerai le gym avec Ryan. Et le labo de Naomi, ça j'ai pas encore été voir. Et l'aéroport non plus. Donc il y a deux, trois petites choses qu'on va aller voir. Donc directement, Burger Suplex. Souvenez-vous, dans l'épisode 1, on nous avait dit de rejoindre Burger Suplex parce que Bishop était mort. Donc petite cinématique et on se retrouve tout de suite. You mean your best friend? The shopkeeper? Sylvia, I want to make a deal. I'll conquer the rankings, fight whoever it takes. And in return, you find me the assholes who killed Bishop. Calm down. You shouldn't make this personal. It is the quickest way to lose a battle. This isn't a battle anymore. It's a motherfucking war. Fine. It makes no difference, really. The mastermind behind Bishop's death is the owner of Pizza Bat. This building, most of this city, he is the head of the corporation that runs it all. Jasper Bat Jr. And as fate would have it, he is also the number one assassin. You better not be lying. It is a fact. The object of your revenge is waiting at the top of the ranks. Wonderfully convenient, don't you think? Sure is. There's a new hotel on the beach. The 50th ranked assassin is waiting for you there. By the way, Bat Jr. owns that hotel, too. He really is everywhere, huh? Better hurry. There are 50 other fighters trying to kill him. You have no time to waste. Just sit back, Sylvia. And watch the hell I'm gonna raise. Hello, hello, hello. Donc là, on va repasser encore sur une cinématique de l'interrogatoire. He was the leader of a religious cult, taking advantage of people's sorrows. He used his music to lure followers. He spoke of a grand faith, but his words were hollow. It was all to satisfy his own goal. He'd only found success because of strong financial support from the new mafia, who used his pulpit to gain support for their own agenda. Many believed he was just a tool of an up-and-coming gangster. But the real goal that drove him? That's a secret. Donc, on va se lancer dans le combat directement, on va pas réfléchir. Comme vous avez vu, bon déjà il y a un type qui vient de tomber sur une voiture, on ne sait pas d'où, hein, peut-être qu'il a sauté dans l'avion, on ne sait pas. Donc là on va commencer la première vraie mission, on va tuer le 50e assassin. Alors si je m'en souviens bien, c'est plutôt sympa, déjà rien que la scène d'intro, ça va être sympathique. Donc hop, ah, c'est parti. Alors, appuie sur C ou 2 pour le verrouillage de cible. C. J'ai encore du mal avec la... Oh bah il est rapide celui-là. Donc allez c'est parti hein. Du sang, du sexe, tout ce qu'il faut pour un bon jeu, quoi.
Vous pouvez utiliser les combinaisons d'attaque, ça je passe. Hein. Oui, je connais. Voilà. Tac, c'est un peu ce que je vous ai montré la dernière fois. Tac. Hop. Décapitation. Hop. On change. Hop. Ah, je vais tenter. Voilà. J'ai allumé le Tiger. Tout en moins. Hop là. Donc j'espère que l'aventure vous plaît vraiment. Déjà, j'espère que l'épisode 1 vous a donné envie de continuer. Alors, hop, on va prendre par là. On va mettre une carte en bas. Donc, c'est sûr, le jeu n'a pas des capacités énormes. Hein. Il n'y a pas des niveaux gigantesques. Là, vous voyez, c'est une salle. Je crois que c'est une des plus grandes salles du jeu. Hein, à ce que je sache pour l'instant. Donc, on sera peut-être surpris plus tard, je ne sais pas. Mais c'est très colorisé. De toute façon, c'est pas très compliqué. C'est pas un. Pas du tout un GTA-like, c'est des missions. C'est même pas l'appeler un truc crime. C'est vraiment des missions qu'on nous donne. C'est pour suivre le scénario. Je ne sais pas combien de temps pour la durée de jeu. La durée de vie du jeu en fait. Alors, je pense qu'on aura fini en 10-15 bonnes heures. Ah oui, bar. Bon alors, ça, bar, c'est une technique que j'ai fait qu'une seule fois. On se transforme en anti, carrément, voilà. Bon, alors, voyez un peu le niveau. Allez. Ah, je l'ai one-shot. Ah, ok, je l'ai one-shot, ok. Je me souviens de ça. Ok. Bon, bah, j'ai... Ouais, c'est con, ça devait être anti, et puis que... C'est pas grave. Le niveau d'extase accru, avec un magazine, un peu de pognon, et hop, on y va. La musique est plutôt sympa, je sais pas si vous l'entendez bien. C'est groovy comme ça. Ça va bien avec l'univers. Franchement, ils sont bien développés. Je sais pas si ça vaut le coup de les casser. Évasion d'urgence. Oui, mais tout ça. Je connais évasion d'urgence. Eh ben, si, je crois plus. Ah ouais, d'accord, c'est vrai, j'en ai mis. Il me tire des missiles dessus. Pas vraiment mal, au pire si je les prends, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc là, il y aura des méchants qui vont arriver, ils sont là. Hop, voilà. Oh, bah, mais franchement, c'est très très simple. Hein, En tout cas, pour l'instant, moi, franchement, je vous le dis encore une fois, c'est que j'ai fait les deux premières heures de jeu. Donc je n'ai pas vraiment eu de gros soucis. Après, est-ce qu'il y a vraiment un niveau de difficulté aussi avec un grand écart entre niveau sucré et salé? Je sais pas du tout. Moi, je teste de toute façon le salé. Hop. Donc c'est la débauche de sang et tout ça. Donc ça, c'est assez répétitif au niveau des combats contre les bonhommes, hein, comme ça, contre on peut appeler ça. Les hommes de main, voilà, c'est ça que je cherchais. Les hommes de main de l'assassin. C'est pas très compliqué. Par contre, c'est pour les assassins, c'est là qu'il y a de l'originalité. Ils sont tous différents. Il y a du nouveau gameplay par rapport au combat. Ça, c'est vraiment sympathique. Donc, franchement, vous allez être surpris pour certains. Même moi, je me suis rendu la gueule de main. Nous, on va jouer à Gundam, les gens. Alors, hop. Je vous ai un peu spoil, hein, en disant Gundam, alors réfléchissez un petit peu, hein. Pas bien compliqué. Alors, la série, je crois que ça redemande tout. Ouais, c'est un niveau accru. Je sais plus qui c'est qui est dans les deux. C'est la bonne fois. Non, c'est encore la bonne. Parce qu'il arrive aussi en hélico. Hop. Bon, j'espère que le jeu n'est pas trop sombre. Parce que là, on est sur une lumière par rapport au niveau. Chassé ! Tiens, la gueule. Ah oui. Hop. Allez, hop, je lève les. Mais non ! Voilà, tac. Je lève. Je lève, bordel. Oh, il y a un problème avec ça, j'arrive pas à le faire. C'est pas grave. Je vais juste tenter de le caser une prochaine fois parce que
ces petits QTE là, ils sont sympathiques à voir, et puis bon, si on n'arrive pas à les passer, il y en a plus. Hop, je crois qu'il y a encore une troisième partie. Le jeu, pour l'instant, à chaque fois que je l'ai vu, s'est déroulé en plusieurs parties. Il y a la partie où on tue tous les hommes de main. Alors ça se roule sur un ou deux niveaux, même trois, je ne sais plus. Là, on a bien d'en faire deux. Donc le troisième, voilà, et ensuite, bah, le boss. Donc c'est assez simple, c'est assez rapide, mais c'est suffisant. Parce que sinon, ça serait trop... ça serait trop. Ok, c'est tout ce qu'il y a. Tac. Hop. Oh non, c'est quoi ça? Niveau d'extase, je suis attaqué. Ah oui, il est plus méchant, ainsi là-bas. Allez, salut toi. Hop. Découpage par la queue et on monte vers la tête. C'est très bien. Ah, les gros là, ils sont chiants. Voilà. Donc je tiens à signaler que le jeu, je l'ai acheté en version non censurée et je n'ai pas trouvé de version censurée. Donc je sais pas où, pourquoi ils mettent ça, c'est juste un titre accrocheur pour prendre plus de jeu, mais je n'ai pas trouvé encore la version non censurée, donc possible qu'elle existe, je ne sais pas. Si vous cherchez un petit peu, puis vous voulez acheter, que vous ne voulez pas trop vous choquer à jouer à ce jeu, avec tout le champ qu'il y a, à tant de pixels rouges, c'est horrible. Et puis, donc là, on va les sauvegarder juste avant le boss. Là, bien sûr, faut aller aux toilettes, n'oubliez pas ça. Très détendu, hein, Trévis. Donc, je ne sais pas si vous voulez, si vous recherchez un petit peu sur le net, peut-être que vous trouverez le jeu en version censurée. On est déjà à 11 minutes de vidéo. Donc, hop. Oui, ça c'est fait. On a sauvegardé. Tac. Et on va aller se fumer notre premier boss. Je me souviens plus trop de celui-là, je crois qu'il est pas bien compliqué de toute façon. Écoute, tu vas pas me faire chier, comme on dit, voilà. Bonne nuit les gars. Allez, ouvre-toi. Bute tout le monde, c'est fait. Bonne point d'exclamation. Oh, c'est le boss. Donc on a toujours ces stickers-là, qui représentent un peu le boss. Donc vous imaginez des fois. Je vais sa cinématique. Elle est juste énorme. Travis Touchdown. Spare me the mystic crap. I came here to fight. Et voilà comment ne pas payer les prostituées. I see the rumors working. I don't know who's talking about me, but that nickname's all right. Listen to me, Your Highness. These Rankings mean nothing to me. Neither does my sect or the mob. My only true calling was to clash swords with you. That's why I joined this contest. I was starving for a worthy foe. Then you're a I'm as worthy as it gets, and I've got a shit ton of anger to work out. That's what I like to hear. This is it! This is what I've been praying for! I'm weary of this gilded world! Oh, glitter! No soul! Save me from sorrow, crownless king! Thy sword and thy wrath will deliver me! You should go easy on that crazy punch. How about I just cut you a new one? We'll both do as divinity commands. Hallelujah. Donc c'est parti, ah, ça va chier les burnes, notre premier vrai boss. Hop, alors lui faut bien l'enchaîner parce que sinon il va être très chiant. Voilà, hop, j'ai déjà activé, regardez sa vie, je suis déjà enlevé pas mal de vie. Ouais, je lâche pas. Ah oui, il fait tomber le lustre en lui enlève à un certain moment de niveau de vie. Le truc c'est quand on n'est pas sous le bus, ça sert à rien. Hop, coup de pied dans ta gueule. Il fait quoi là? Ah oui, des lasers. Faut que je fasse gaffe à ça. Putain, les lasers ils sont chiants. Ils sont pas de ça. Ouais. Doucement, vite, les lasers sont sur toi.
s'est fait sauter tout seul. Là. Faut que je recharge la batterie du sabre en plus. Ah, fais chier. Je vais me cacher. Hop. Ah, puis ça fait mal au poignet de bordel. Ah non, ma recharge. Putain. Il y a des coffres. Je crois que les coffres ils me donneront les... Putain, là, je suis dans la merde. C'est la première fois que je galère autant sur ce boss. Putain, la première fois que je joue contre lui, je l'ai démonté. Putain, lui. Arrête. Viens là. Mais c'est quoi ce délire? Putain, je l'avais bloqué de le piège, je crois. C'était ça. Je le bloque là. Ah, putain, le coffre. Le coffre. Ah non, j'ai plus de batterie dans mon sabre. Allez, faites-le. Ouh, batterie. J'aime la batterie. Allez, t'es où, Cola? Viens là. Mais viens là. Ah, c'est quoi de ce type, quoi? Il décharge ma batterie. Putain, je peux pas déparer ce bordel là. Allez! Ah, putain, j'ai. Ah! Bon, ok! Putain, j'ai pas le temps d'esquiver rien. Hein. Ah, c'est vrai, j'utilise pas ça. Mais... Ah, obligé de recharger à mort! Allez, c'est parti! Ah putain, c'est n'importe quoi! Ah mais non, je me suis payé le mieux. C'est n'importe quoi. Ok, on va pas crever là quand même. Je suis jamais mort avec toi, Travis, tu vas pas commencer aujourd'hui. Pas pour l'épisode 2 quand même, c'est n'importe quoi! Ah, y'a du suspense, les gens, je sais même pas. Ah, bordel! On esquive, je sais pas du tout où il est, j'en ai rien à. Ah, mais tu sais pas! Ah! J'esquive, mais. Allez hop, c'est vite. Voilà, je l'ai chopé, je lâche plus, on lâche pas le gars, si je l'ai lâché comme un con à cause du coup de pied! Pas de coup de pied. Hop! Allez, le Tiger, allume-toi un petit peu là. Allez! Tiger! Oh putain, qu'est-ce qu'il va faire encore? Oh putain, des tapis. C'est la merde, hein? C'est la merde, les gars! Allez! Ah, j'active! Ah, putain! Allez, crève! Petit QT au final, et on l'achève! Allez, dis-moi quoi faire, je ne sais plus. Le coup de remote. Tiens, ok, ouais, c'était tout con! Oh putain! Comment j'ai galéré! De Dieu! Le premier combat, première fois que je fais la partie, je vous jure, mais je l'ai annihilé en quoi? Même pas une minute! En 30 secondes, c'était claqué, quoi. Congratulations! On a fantastic victory! You are now ranked 50th! Just 49 left. This is gonna take a while. You were spectacular! Better hurry, like you said. I don't want anybody getting to that bat bastard first. Look at you, Travis. Violence is the only way you can express yourself, no? Oh, I'm in the zone, baby. Nothing's gonna hold me back. Good. I'll arrange the next fight. It's going to blow your mind. Can't fucking wait. Et voilà. La musique est géniale. Donc, nous sommes
50e. Travis Touchdown 50e. Il monte sur sa petite bécane et c'est parti. Et nous allons nous laisser là. Enfin, si c'est là, je pense. Je sais pas. Il y a peut-être une cinématique après. Je vais regarder. Et si encore une cinématique, une fois qu'on est dans l'appartement, je vous abandonne. Et on se donne rendez-vous pour l'épisode 3, bien entendu. Ça me dit qu'elle est énorme. Ah oui, je voulais vous montrer peut-être les le PC qui se met en veille. Se met pas en veille, il enregistre pour l'heure. Oui, on sauvegarde déjà, ça c'est fait. On est 50e maintenant, vous voyez notre rang à côté, il a changé. Peut-être 50e. 42 minutes. Donc. On va aller faire un... Là on est dans la part. Non. Ah bordel, cinématique. Moi je voulais vous montrer un métier, donc on va prendre un petit peu de temps, mais je vais vous montrer le métier pour ceux qui veulent rester si ça les intéresse. Et sinon vous viendrez directement à l'épisode 3 si vous voulez suivre juste l'aventure. Donc, voilà. Là je devrais censurer peut-être, non. Ah là 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 là. Donc voilà, on est à l'appart, tout ça, on a sauvegardé, pas sorti. On va aller directement faire un métier ou deux, juste pour vous montrer le mode, à quoi ça ressemble également. Et je vous abandonnerai juste avant la fin. Ouais. Voilà. Petit boulot, va tapiner un peu. Oui, j'ai débloqué plein de trucs. Donc, on se retrouve en ville, faut aller au bureau de bas, mais on a la prochaine fois pour l'épisode 3. Alors la gym avec Ryan, c'est pour s'endurcir au niveau de l'endurance pour la vie et au niveau de la force pour la puissance d'attaque. Alors les petits boulots, il y a le bug out, late to coco bug. On va faire le premier que je connais, bug out pour l'instant. On découvrira les autres plus tard. Alors j'ai la loupe qui charge un petit peu, un peu de bruit. J'espère que ça vous gêne pas trop si vous l'entendez. Alors, Santa Destroy est infecté de cafards, c'est pas bon pour les affaires. Ah non, c'est les cafards, oui. Pizza Bat t'offre le boulot de ta vie, exterminateur hardcore. Les meufs adorent les tueurs d'insectes, plus encore les médecins et les athlètes professionnels. C'est un fait peu connu. Extermine tous les insectes du niveau dans la partie un parti. N'importe quoi, ce qu'est-ce que... Donc là, c'est... Moi, ouais, je voulais vous faire cuire des beefsteaks, mais c'était moins intéressant. Là, c'est plutôt marrant. De toute façon, c'est toujours la même chose, c'est du 8-bit, donc aspirer, insecticide en utilise B, se déplacer, ok, voilà. C'est pas très très compliqué. Donc vous voyez, donc vous voyez comment mourir comme un con sur un jeu 8-bit. Donc voilà, hop, tac, j'aspire, voilà, tac. Voilà toi. Il sourit, faut que je la chope. Voilà. Parce qu'elle est chiante, elle peut me sauter dessus tout le moment. Voilà, donc en fait c'est les petits boulots. Fait comme ça. Et je trouve ça vraiment sympathique, franchement. Alors pour un jeu, oui, on se serait dit, ouais, ils vont nous faire. Ils auraient pu combler ça avec de la 3D et tout, qui aurait été peut-être mal faite, qui aurait un impact sur le jeu. Et ça aurait été con, quoi. Mais là, il n'y a rien à faire. Là franchement, je trouve que c'est original. Sympathique, et le jeu n'en demande pas plus parce que ça colle parfaitement à l'univers, quoi. Complètement décalé. Ah, bien, la souris. Hop, j'ai essayé à choper. Complètement décalé du jeu. Donc, on gagne bien notre vie par rapport à la GBL, bien entendu. Donc, voilà comment ça se calcule. C'est au nombre de scores. Alors, tant que j'ai eu, tac, tant de fail, et on gagne 5900 $. Bordel, j'ai du mal. Hein. Alors, on va faire le niveau 2. Il y a 3 niveaux. On va faire les 3 niveaux, puis on se quittera après. Tiens là, toi, déjà. Voilà. Hop. Donc là, vous voyez la bonbonne jaune que je viens de prendre. C'est pour multiplier la puissance de mon aspiration. Hop, voilà. Pour que j'ai plus d'impact. Et pour avoir les gros cafards dans le niveau 3, il faut avoir les 3 bonbonnes, sinon ça passe pas. À 2, il coûterait plus. Hop, avant ça, on va aller chercher, vous voyez, il y a un petit bonus en bas, je vais aller prendre. Alors ça, c'est l'insecticide, que j'utilise pas vraiment, ça sert pas à grand chose. Après, ceux qui veulent, ils font. Bah, ça m'intéresse pas. Alors, hop, toi, tu viens là. Voilà. Maintenant, que j'ai gagné niveau 2, niveau 3, et on se quittera juste après.
Alors franchement, c'est un très très bon jeu. Si vous avez la Wii, que vous vous dites, ah, il n'y a pas de bon jeu à part Mario dessus. Si, il y en a. Il y en a franchement, sautez dessus. Hein. Xenoblade Chronicles, No More Heroes, The Legend of Zelda, Super Paper Mario. Il y a plein de super jeux sur cette console. Vous pouvez terminer dessus. Allez hop. Donc n'hésitez pas à jouer avec. Ah merde, j'ai plus d'aspiration. Tac, ok. Ah putain! Hop. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis empoisonné, je crois. C'est chiant. Ah putain! Je suis encerclé. C'est pas grave, on va le refaire. Faut que je le passe celui-là. J'ai déjà passé une fois, donc après, on devrait y arriver. Là, déjà, on a moins de... C'est simplifié, parce que déjà, ce qu'on a aspiré, c'est déjà pris. Ça, et hop. La souris. La bestiole. On va chercher les piafs en bas. Alors, je me demande ce que c'est comme piaf, parce que pour qu'il fasse chier comme ça... Alors hop, en bas, on va prendre l'insecticide. Je prends tous les bonus parce que ça peut compter dans les points, je crois. Donc j'ai pas vérifié ça, on le fera juste après. Tac tac. Voilà. Ah non, putain! Alors là, je crois que j'ai aspiré le gros en l'assommant, et ça, c'est pas con. Je pensais qu'il fallait le... la grosse aspiration, mais que quand il est vivant. C'est-à-dire, pas assommé, je veux dire. Ah, je me contredis, c'est le bordel, hein, c'est n'importe quoi. Donc, je regarde, ça record toujours, c'est nickel, hein, on sait jamais, vous savez, le Dazzle qui fait son petit truc. On va arriver à 30 minutes pour cet épisode, je pense que ça sera suffisant, hein, pour s'arrêter. Putain, lâche, ils sont chiants. Putain! Ah, puis j'ai plus de vie, je crois. Ah, bah non, enfin. Bon, allez, on s'arrête là. Tant pis, tant pis, tant pis, enfin. Même ma mère fait mieux que ça, tapette. Ok, ça fait plaisir, hein, connard! C'est tout, j'aimerais plus t'aider. De toute façon, j'ai gagné du poignot, normalement. On va aller vérifier à la gym de Ryan, et puis je vous quitterai là-dessus, en fait. Juste pour vous montrer Ryan, enfin, je veux dire Freddie Mercury, qui est génial. Freddy Mercury, qui va nous entraîner, mesdames et messieurs. Moi, j'ai un petit canaillou, mon petit doigt, mais du coup, tu sais, toute la première fois ici. Toi et moi, on va bien s'amuser à te bâtir un record. On s'est déjà vu, non, mes amis, nous ont filé un surnom. Freddy Uranus. Donc voilà, je me suis fait 29 000 $ quand même, c'est déjà pas mal. On va augmenter l'endurance, donc pour la vie, ce sera pas mal. Garde la forme, et je connais. Je connais. Normalement, je connais. Ouais, bon, ah merde, je sais plus, je sais plus, je sais plus, je sais plus. Non, 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 je sais plus comment on fait. Bon, d'accord, j'ai pas bien lu la consigne. On va le refaire. Reviens vite, d'accord, pour te remettre en forme. Ouais, mais là, on va le refaire et puis il y a la consigne. Non. Comme quoi il faut écouter la consigne, sinon je fais engueuler. Et on nous sculpte. Bien, je vais. Voilà, hein. En dur. Prêt, prêt. Alors, appuie tour à tour sur le bouton B et le bouton Z. Ah, mais oui. C'était simple, mais je le savais. Hein. Donc, hop, toujours en format 8-bit. C'est plutôt sympathique. Franchement, on aurait eu des jeux comme ça à l'époque, ça aurait été génial. Hop, fauteuil roulant, il va dans l'autre sens. Fauteuil roulant. Le tapis roulant, il va dans l'autre sens. Allez, allez. Il y a 8 niveaux. Hein. Non, il y a 7 niveaux. Vous voyez, il tourne au-dessus. Hein. Donc je pense qu'après, on va se bâtir un bon Trévis jusqu'à la fin du jeu. Encore une seconde. Putain. Santé maximale accrue. Ça gonfle, ça pompe, bon boulot, tu sens le monter de l'adrénaline. Voilà. Voilà. Donc on s'est fait du pognon, je vous ai montré un petit peu juste un métier, je vous ai montré la salle de gym, donc on fera d'autres choses la prochaine fois, enfin l'épisode. On va toujours faire comme ça, je pense, ça peut être sympathique.
de faire un boss, en fait. On fait un boss, ensuite on fait des petits boulots. Je trouve ça plutôt bien foutu. On retourne au motel, on va sauvegarder, je vais vous quitter là-dessus. Hop. Qu'est-ce qu'il y a comme temps? On est déjà à 30 minutes, ouais, on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal parce que d'habitude je voudrais faire un format 20 minutes pour que tout le monde puisse voir assez facilement sans se prendre la tête à revenir regarder la vidéo à chaque fois. Allez hop, on sauvegarde. Moi je vous dis à bientôt les amis, hein. Franchement merci d'avoir regardé cette vidéo, de me suivre sur la X3 Channel, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez toujours me suivre sur Twitter, sur Facebook, aller sur le site de la chaîne qui est aussi entretenu par Sebren21, un ami youtubeur, qui a quelques textes sympathiques, donc allez le voir, ça fera plaisir. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, à bientôt tout le monde, salut !